un thème à cette vidéo ou toujours pas? Non, parce que je pose la question. Hein. Oh, mais je sais pas pourquoi je m'obstine à m'attacher les cheveux et avoir une tête de patate comme ça tout le temps. Ça va? Je n'ai toujours pas de trépied, du coup je suis obligée de vous mettre sur mon bar, mais mon bar qui est pas un bar haut, tu vois. Je me retrouve du coup dans cette position d'inconfort pour pouvoir vous parler. J'ai essoufflé. Est-ce que mes vidéos c'est juste moi essoufflée? C'est ça le concept en fait à chaque fois? Faut que j'arrête avec ces démarcations, je sais pas pourquoi. Je le vois pas forcément dans la vraie vie, mais quand je suis là-bas ça se voit de ouf. C'est tout le temps mon double menton là. Ça fait un très bizarre, je ne comprends pas. Déjà un début de vidéo, il se passe absolument rien. Hein. Vous avez signé pour ça, d'accord? Personne vous a forcé. J'allais dire, vous pouvez vous désabonner, mais s'il vous plaît, le faites pas, genre. Abonnez-vous plutôt. Ah ouais, c'est ça, attendez. J'ai vu dans mes stats, 40% des gens qui regardent mes vidéos, ils sont pas abonnés à moi. Qu'est-ce que t'attends, juste? S'il faut se taper, moi je me tape, hein. En tout cas, nous avons dépassé les 2 semaines de confinement. Je vais me tirer une balle. Potentiellement, c'est possible. On se fait toujours aussi chier. Déjà que de base, on se fait chier quand même, de base. Cette année, l'ambiance est pas tip top. Mais alors là, je tourne en rond dans mon appartement. Du coup, bah, on a rien d'autre à foutre que faire de la déco, de l'aménagement, du rangement, des trucs à chier, d'accord? Et dans ma dernière vidéo, vous vous souvenez que j'avais un carton qui était là dans mon salon depuis juillet. Et certains ont remarqué qu'il y en a un autre, celui-là, qui lui, même moi, je suis gênée de dire la date. Mais moi, cela me met dans l'embarras. Je reçois des DM où les gens me disent, mais Marine, c'est quoi ce carton derrière toi? Je ferme les yeux, j'adore fermer les yeux sur mes propres problèmes personnels. Du coup, comme je suis dans une dynamique, j'allais chercher quelque chose, mais en fait, non, le truc, c'est juste, j'ai rien d'autre à faire. Donc, je trouve des occupations, d'accord? Je me suis dit, pourquoi pas enfin ouvrir ce carton et enfin faire ce que je repousse depuis. Je ne veux pas prononcer la date. Mais vraiment, mi-novembre, fin novembre, là, actuellement. À Noël dernier, ma soeur m'a offert un cadeau qui était vraiment incroyable. Et en fait, c'était une trop belle affiche que je vais vous montrer du coup. Sauf que cette affiche était tellement belle que je me suis dit non, je veux vraiment la mettre sous cadre. Il y a ma voisine derrière. Faut vraiment que j'achète des rideaux aussi, ça c'est sous j'étringle. Mon père s'est tué le cul pour les mettre quand je suis arrivée. J'ai toujours pas de rideaux. Bientôt un an que j'ai emménagé, hein, je sais. Bref, je me perds dans mes explications de carton. Donc ma soeur m'offre une affiche, j'achète un cadre, ça c'est le cadre. J'ai reçu l'affiche Noël dernier. J'ai acheté le cadre, je sais plus trop quand, mais je sais qu'on n'était même pas encore confinés de la première vague. Tu te souviens, c'était waouh. Longtemps. Tu peux tenir ça s'il te plaît? Ça te dérange? Si tu pouvais me servir à quelque chose, à part être mignon, parce que sinon t'en prends pas une. 13-02. 13 février. Est-ce qu'il y a un carton dans mon salon depuis le 13 février chez moi? Oui! Je ne peux plus me le saquer. Personne ne comprend comment j'ai réussi à tenir si longtemps en voyant un carton devant mes yeux pendant... pendant... 10 mois, je sais rien, bref, fais le calcul dans ta tête tout seul. Sans péter mon crâne contre un mur. J'ai une faculté d'occultation des problèmes. Hein. Si j'ai pas envie de voir un truc, je le vois pas. Et le jour est venu pour enfin accrocher cette affiche et un peu habiller cet appartement parce que, bah du coup, ça fait bientôt un an que j'ai emménagé et mine de rien... Je peux plus me saquer. Tous les murs sont vides, sont blancs. Et on veut un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté dans cette année qui pue du cul. Et j'ai prévu depuis le premier jour que j'ai visité cet appartement, je savais que l'affiche de ma sœur allait être ici entre ces deux fenêtres. Elle ne l'est toujours pas. Mieux vaut tard que jamais, l'a arrêté de vous péter. Donc bref, il faut que j'accroche ça. Ah oui, ça aussi pareil. C'est un miroir que j'ai acheté avant le confinement, qu'il faut que j'accroche dans ma chambre, mais j'avais la flemme. Mon disque de diamant de Joule qui repose sur un pouf. Toujours pas accroché. On va remédier à tout ça. J'ai toujours pas trié. J'ai un peu trié, mais pas de ouf non plus depuis la dernière fois. Tête d'amande. Ah, c'est de ça dont je parle, tête d'amande. J'ai retrouvé d'autres affiches qui sont des trucs que j'ai achetés ou des trucs qui ont été des cadeaux. C'est un petit peu lourd là. Miniature. C'est des plans artistiques. Je gagne du temps sur le watch time. Ça s'en fout.
Vous allez voir, c'est incroyable. Elle est trop belle cette affiche. Et je pense que du coup, cette affiche va m'amener à une autre vidéo. Allons dans la partie de mon appartement où il y a de la lumière. Je vais expliquer après aussi, mais j'ai envie de changer tout la disposition de mon salon. Du coup, je vais tester avec vous et vous allez voter qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. J'ai envie de changer cet espace de vie dans lequel je suis en train de m'encroutir depuis des mois. Petite interruption publicitaire. Pardon, je fais moi-même mes pubs dans mes propres vidéos. Merci à la Lab d'avoir accepté de sponsoriser cette vidéo afin que je puisse acheter des croquettes à ce chat qui, vu sa corpulence, n'en nécessite pas forcément beaucoup. Mais je suis trop contente. Pour ceux qui connaissent pas du tout, en fait, la Lab, ils ont une application mobile où vous pouvez imprimer des photos de tous les formats différents. Vraiment, tu as tous les formats que tu veux. Vraiment, belle idée cadeau là pour Noël. J'ai fait que des trucs pour moi-même. Je fais ce que je veux. Achetez ça à vos potes, votre famille, tout le monde va être content, c'est incroyable. Donc là pour Noël, ils ont sorti des designs thématiques Noël. Le truc où je suis le plus contente, c'est ça, c'est le book rigide. J'ai choisi la couverture de Noël, mais vous pouvez très bien prendre la couverture normale, c'est-à-dire où c'est vous qui choisissez les photos que vous mettez devant. J'aime bien ce petit violet, ce petit lilas, j'aime bien. C'est par ordre chronologique, hein, donc c'est vraiment mon book de l'année 2020. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre en grand comme ça, franchement ça rend trop bien. Vous vous souvenez où on pouvait aller en boîte de nuit? Oui, hein, on s'en souvient plus trop. Hein. Et après, à côté, cette photo horrible qui arrive très tôt hein, dans le book, c'est moi m'apprêtant à aller pisser dans un pot parce que les vrais se rappellent de la mononucléose. Hein. J'ai trouvé ça sympa parce que la mononucléose, ça s'appelle la maladie du baiser et du coup, voilà. Ouais, je suis créative moi-même dans mes propres livres photos, ouais. Ça, c'est la nuque de Cindy. Incroyable. Ensuite, vous avez des tirages photos comme ça avec plusieurs formats. Donc moi, j'ai pris la classic box. J'ai pris le nouvel effet mat comme ça. J'ai pris aussi avec les bordures blanches comme ça. La qualité d'impression est incroyable. J'en ai imprimé tellement, je suis trop contente. J'ai trop de souvenirs. C'est moi au concert d'Angèle. Qui se souvient des concerts? Ça date, hein. Donc ça, c'est la classic box. Et j'ai pris un des formats aussi que je préfère. C'est la mini box où c'est les petits formats comme ça que j'aime trop. Et pareil, moi, j'adore les personnaliser avec de la couleur. Et vous pouvez, bah on voit pas avec mon gros doigt là. Vous pouvez mettre du texte. Et j'adore regarder la Sindoche. Regarde Oseille, c'est toi. Tu te reconnais? Elle le prend mal parce que j'ai écrit groseille au lieu d'oseille. Donc ça voilà, c'est la mini box. Et l'autre truc aussi que j'ai commandé, c'est un calendrier. Donc là c'est calendrier 2021. Donc chaque mois j'ai mis une photo de l'année 2020. Et du coup l'année prochaine je me remémorerai le mois de l'année précédente. Vous avez capté ou vous avez pas capté? Février. Je pourrais me remémorer ces doux moments de la mononucléose. Avril, le confinement avec oseille. Juillet, je revois tous mes potes de Lyon. Je suis trop contente, trop bien. Voilà, vous savez que j'aime trop cette application. Elle est hyper simple d'utilisation. Moi je le fais directement de mon iPad, comme ça c'est encore plus grand, mais avec votre tel et tout, enfin c'est trop simple. Ils m'ont donné du coup un code promo, c'est Marine30, vous avez moins 30% pour les anciens clients, les nouveaux clients, tout le monde peut utiliser, d'accord. Il n'y avait pas de minimum d'achat, donc n'importe quoi, ce que vous avez envie de commander, vous pouvez utiliser ce code promo. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir et j'arrête de parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout de suite. Vous savez cette petite pieuvre là, qui est réversible, contente, pas contente. Et bon, en fait j'ai fait pareil, des photos de moi, streamer sick, pas contente, contente. C'est hilarant. J'ai fait un autre truc, mais alors ça... Officiellement mon t-shirt préféré. Bon, je l'ai lavé du coup et je l'ai pas repassé, donc démerdez-vous. J'ai fait du coup imprimer sur ce t-shirt le tweet qui me fait le plus mourir de rire de ma vie entière. Ce qui m'encule de rire, c'est que quand tu tapes Marine LB sur Twitter, le premier tweet qui s'affiche, c'est ce putain de tweet. Ça me fait beaucoup rire. Riez avec moi. C'est la gaudriole là. Je sais pas du tout si ce mot existe. Ça, je vais l'accrocher, je pense, dans mes toilettes. Mon objectif en titre, qui est 2021, l'année du million d'abonnés, évidemment, et d'oseille, si c'est possible. Apparemment, si tu écris et que tu peux visualiser tes objectifs, ils se concrétisent. S'il vous plaît, je demande pas grand chose. 1 million d'euros, c'est pas... C'est pas... Calmons-nous. J'adore ce t-shirt. Donc du coup, on a ça à accrocher. C'est une affiche. Quand on est allé à Montmartre avec les potes Cassou et Loulou, on a voulu faire les touristes et on a fait du coup une caricature. Et j'adore. Vraiment, il est trop bien ce dessin, je l'adore. C'est des fausses, hein, vous avez toujours, hein. Et ensuite, j'ai une autre affiche, pareil, ça fait des mois et des mois que je dois l'accrocher et je l'ai toujours pas fait. J'ai envie de me taper moi-même, d'accord. C'est une affiche qu'une de mes meilleures amies m'a ramenée de son échange... Enfin, c'est pas l'Erasmus si c'est pas en Europe. Enfin bref, elle est partie en Malaisie et elle m'a ramené ça. Et j'adore parce qu'en fait, c'est quand les gens, ils m'offrent des cadeaux, ils disent vraiment, je l'ai vu et direct, j'ai pensé que c'était trop ton style et c'était trop toi. Et ça me fait plaisir. Des femmes à poil, oui, c'est très mon style. Hein. On a compris, ça y est. Donc là, on a deux affiches en plus. Et ensuite, il y a une autre affiche. Je sais pas si vous reconnaissez. C'est de la boutique de Chéra. Une anecdote. J'adore raconter des anecdotes. Apparemment, elle a essayé de me contacter sur les réseaux pour me proposer de m'envoyer une affiche. Et en fait, j'ai jamais vu, j'ai jamais répondu. Mais de toute façon, moi, le jour où j'ai vu qu'elle avait ouvert sa boutique, moi, j'ai
passé comment. J'ai trouvé que c'était de toute façon très très beau ce qu'elle faisait. Et je trouve que c'est cool de supporter un peu les uns les autres dans nos projets respectifs, même si moi personnellement je n'ai pas de projet. Mais je supporte les autres dans leurs projets à eux. J'ai choisi une affiche magnifique. Je visualise très bien où je veux la mettre. Je vous avoue que je ne sais plus le nom de cette affiche. Je sais pas si elle est toujours disponible, mais j'ai pris celle-ci parce qu'elle est trop belle. C'est une femme nue. J'aime les dessins de femmes nues. Si vous voulez psychanalyser ça, vous pouvez. Mais juste, je trouve ça très élégant. C'est une femme avec une tête de vinyle, quoi. Vous connaissez ma passion pour les vinyles et du coup, je veux le mettre dans mon endroit musique. J'ai toujours pas d'endroit musique. On va essayer après. Donc bah voilà, c'est beaucoup de trucs. Je suis trop contente. Et il y a celle de ma soeur, du coup, le cadeau de ma soeur de l'an dernier. Ça va être vraiment la pièce principale parce qu'elle est immense. Ça s'appelle 100 choses à faire avant de mourir. Et en gros, je vous montre. Pourquoi je vous montre le carton? Ah oui, c'est vrai, j'en avais déjà ouvert un. Donc c'est 100 choses à faire avant de mourir. Et vous voyez, en fait, vous pouvez arracher le truc que vous avez déjà fait. Et le but, c'est que vous ayez... Non, Oseille, arrête de manger le micro. C'est vraiment de tout enlever avant de clamser. Et comme là, on est vraiment dans une période où la mort guette à la porte. Non, je dis pas ça, c'est horrible, c'est hyper alarmiste. Vous inquiétez pas, portez vos masques, lavez-vous les mains, respectez les gestes barrières et tout va bien se passer. Celui que j'ai déjà ouvert, résoudre sans aide un Rubik's Cube. Vous êtes sur une boîte vide de pizza, d'accord? Ça me brise le cœur un petit peu de lui dire au revoir. Ah, je suis stressée. Oui. Imaginez, j'ai ça depuis février chez moi et c'est pas la bonne taille. Juste imaginez deux secondes. Je me fous en l'air. Pitié, faites que ce soit la bonne taille parce que vraiment ce serait magnifique. Comme un oiseau, je veux fly. Je vais galérer. C'est immense. Ah, mais c'est la protection. Oh, j'arrive pas, ça m'enquiquine. J'arrive pas. J'ai peur de casser. C'est normal que ça soit flou. On n'arrivera pas à lire les trucs. Mais c'est de la merde. Venez, on va retirer. On va enlever les trucs que j'ai déjà fait. Ah, j'adore. Si je le mets sous verre, vaut mieux que j'ouvre avant. Observer des baleines, j'aimerais trop. J'ai pas fait. Aller à un festival de musique. J'ai fait, mais je pense que je peux faire mieux. Genre, j'ai pas fait un truc genre Coachella ou quoi, tu vois. Faire une promenade en montgolfière, je veux trop faire, mais ça me saoule ce truc. Ça me rappelle vraiment à quel point le Covid est en train de baiser nos vies. La Covid, pour que ça pète autant les couilles, c'est forcément masculin. Faire une randonnée avec des chiens de traîneau, je veux trop. Observer un volcan en éruption, super. J'enlève faire très peur à quelqu'un. Faudrait que je vous fasse une story time sur ça d'ailleurs. C'était un prank de base que j'avais filmé. Hein. Mon père m'a pas parlé pendant genre une semaine. Vivre à l'étranger comme si tu étais du pays. J'ai quand même vécu 6 mois à Ljubljana, mais on n'a pas trop vécu comme si on était du pays. Non, je peux pas l'enlever. Ce n'est pas suffisant. J'ai pas envie d'enlever si je l'ai pas fait entièrement. Apprendre un plat et être reconnue pour celui-ci. Sachez que je suis reconnue pour mes paninis. C'est un plat, tu vas faire quoi? C'est toi qui enlèves les petites cases ou c'est moi? Tout le monde sait à quel point mes paninis sont incroyables. Les gens en redemandent. Les gens sortent de chez moi en ayant mal au ventre tellement ils veulent en goûter 18 paninis que j'ai créés moi-même. Si vous savez pas faire des paninis, n'écoutez pas les autres. Ça non. Oh, trop bien. Ça non. En vrai, ça va. Il y en a pas mal que j'ai enlevé. Bon, il en reste plein, hein, mais le but, c'est quand même de faire ça avant de mourir. Donc, j'espère que j'ai des années pour le faire, quoi. Tous les trucs que j'ai enlevés, c'est les trucs les plus pétés du poster. Genre, vraiment. Il y a des trucs incroyables. Genre, visiter les 7 continents. Bah, ça, j'ai pas fait. Mais par contre, j'ai fait un bonhomme de neige. Tu te fous de ma gueule? En tout cas, j'ai trop hâte de le mettre sous vitre, là. Hein. Enfin, je me suis pas trompée dans la taille, déjà. Hop. Ça va, Mimi? Toi, t'aimes bien les cartons, toi. T'es contente, hein? C'est trop bien! C'est trop bien! Je suis trop contente! Je pense qu'il faut pas le mettre trop haut non plus parce qu'il faut qu'on puisse lire. Ça va être si relou, en fait. Hop. Va falloir que je le mette tout centré et tout, là. Ce truc. 143 divisé par 2. 71,5. Faut que je mette 40 de chaque. Mais c'est pas possible, là, si je suis toute seule. Ça va être impossible. Je vais tellement galérer, putain. Bon, j'ai fait les mesures, mais je crois que c'est pas ça. Attends, Mimi. Attends, Mimi, décale. Putain, j'ai trop peur. Est-ce que je fais des vrais trous, genre?
prier pour moi parce que je ne suis pas propriétaire. Hein. L'année du million, on a dit, c'était 2021. J'ai clairement fait des trous et des petits traits au stylo sur le mur. Donc si après je fais 1000 trous, ça va pas le faire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Break quand même. Ah putain, c'est pas droit. C'est pas droit du tout. Oh non. Oh putain. Ah pas du tout. Putain, merde. Je vais faire un giga trou dans le mur. Putain, mais je suis vraiment trop conne. Non. Je pense que vous n'arrivez pas à voir. Mais moi, ça me chafouine l'œil. Mon œil de bricomama est chafouiné là. Je pense que je vais le remonter un tout petit peu les deux. Comme ça, ça va cacher les trous quoi. C'est parti. Oh putain, il y a un truc derrière. Non. Et pourquoi? Si ça ne marche pas, je ne sais plus quoi faire. Ça me paraît bien, ça me paraît parfait même. Soyez avec moi s'il vous plaît. Oh putain, la bulle est parfaitement bullée. C'est incroyable. Je veux travailler dans le BTP. C'est ouf. Comment ça abîme et en 30 secondes mon salon. Bon là du coup c'est le bordel mais... Ah je suis trop contente. Et est-ce que du coup Jules on le met là-haut ou pas? Par contre là il fait nuit, ça fait 4 heures que je tourne là. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. J'aime trop. Je suis refaite. Et du coup en fait j'ai la flemme de faire le reste. Besoin de process que plus jamais de ma vie. Il y aura un carton ici. Je vais mettre les autres affiches dans les cadres. Oups, on va aller dans ma chambre. Ah ouais, mais il y a même plus de lumière dans ma chambre non plus. Faut vraiment que je m'achète une ring light. Ça, faudra qu'on l'accroche aussi. Attention, Mimi. Oh, c'est trop beau. Ouais. Oh, génial, en verre. Trop beau. Et là, j'ai des cadres, je pense. Oh, ça va pas du tout. Toi-même. J'ai posé là, c'est vraiment juste en attendant parce que... En gros, je vais vous expliquer. J'ai très envie dans mon appartement d'avoir un espace bureau pour vraiment pouvoir travailler. Mais en fait, le seul endroit où je pourrais mettre mon bureau, c'est ici. Sauf que, bah, comme vous voyez, il y a mon immense miroir. Et le truc, c'est que j'ai vraiment besoin d'un grand miroir aussi. C'est des besoins... Vous avez le droit de me juger. Mais c'est pratique quand je fais des stories de outfits et tout. C'est... C'est des problématiques d'influenceurs, le pouce rouge serait mérité là. Mais bref, j'ai quand même très envie d'un bureau. Et du coup, le seul truc que je me suis dit dans ma tête qui serait possible, que je voulais faire pareil dans cette vidéo, mais là j'en peux plus là, les cadres et tout ça m'a bandé. Donc on fera ça dans une autre vidéo si c'est un truc que vous voulez voir. Mais en gros, j'ai réfléchi. C'est pas moi, j'ai pété, c'est mon pied, il a fait comme ça. C'est le bordel. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? T'as faim? T'as soif? T'as soif. Arrêtez de dire qu'elle est obèse. En gros, je me suis dit le truc que je pourrais faire. Putain, je vais galérer à expliquer. Au lieu que mon salon, vous voyez, il soit tout comme ça, là, soit un petit peu orienté en diagonale, genre. Attends, je sais pas expliquer. Au lieu que mon canapé, il soit comme ça, genre, je mettrais comme ça. Et ma télé, pareil, je la mettrais en diagonale, là. Le placard qui est ici, là, c'est mon bandeau chaud. Donc, s'il y a le meuble télé devant, c'est pas grave. Donc, en gros, je mettrais tout ça à droite, un petit peu en biais. Tout serait un petit peu en biais comme ça. Ça me stresse l'œil. J'explique mal, je sais. Je sais pas si ça va rendre bien. Donc, il faut que je teste pour ça. Toute la partie là où c'est mon truc à vinyle, mes vinyles, la plante et tout, ça j'enlèverai et je trouverai une autre place plus tard. Puisque ce que je voudrais faire, c'est que si tout ça décale à droite, j'ai pas encore pété, c'est encore mes pieds. Là sur ce mur là, je pourrais mettre un bureau dans le coin là. Enfin, c'est pas clair. Hein. Et j'ai mesuré, ça fait pile la longueur. Je suis essoufflée, j'ai l'impression de faire un projet d'architecte alors que non Marine, tu essayes juste de mettre un bureau dans un salon. C'est pile la taille de ma coiffeuse qui est là. Du coup en fait ce qui est incroyable c'est que avant d'acheter un bureau et peut-être me rendre compte qu'en fait ça va faire beaucoup trop chargé si je mets un bureau dans le coin, je vais tester avec ma coiffeuse. Mais vous avez capté ce que je veux dire? Déjà vos premières impressions de mettre le salon un peu en biais, c'est bizarre ou pas? Et je me dis qu'en vrai ça pourrait faire une ouverture là tu vois beaucoup plus grande. Parce que si le canapé au lieu d'être comme ça, il est comme ça, sera beaucoup plus grand. C'est difficile de se rendre compte. Hein. Et du coup, mon coin musique, c'est vraiment un coin provisoire. Oui, ça fait un an que j'ai emménagé là, mais c'est censé être un coin provisoire. Du coup, l'affiche trop belle que j'ai prise pour être avec mes vinyles, comme je sais pas encore où je vais mettre mes vinyles, je vais pas l'accrocher. C'était une explication bien trop longue pour juste ça. Et aussi, j'ai envie de mettre un meuble ici. En fait, je vais vous expliquer. J'ai pas de rangement chez moi, je suis en train de péter les plombs, je suis en train d'essayer de trouver des endroits pour mettre des commodes, des armoires, tout ce que tu veux. Dire que je voulais faire ça tout aujourd'hui, mais pas du tout en fait. J'ai pris un lot de 3 cadres A4, c'est difficile à dire. On a Montmartre et la Malaisie à mettre. Oui. Aïe. Ouais. J'aime trop, mais en fait c'est fou, vraiment, je vous jure, quand tu mets un truc dans un cadre, genre...
Ça veut dire j'ai trop parlé longtemps, cette vidéo elle est déjà trop longue. J'adore. J'adore. Non, mes amis, ils me manquent. C'est quand c'est fini, là? Je peux plus me la saquer, là, cette année. Hein. Il est où le giga couteau? C'est pas bien de perdre des couteaux. Est-ce qu'il y a un thème à cette vidéo ou toujours pas? Non, parce que je pose la question. Hein. C'est moi ou j'arrive pas, là? Je suis con ou quoi? Ah, je sens ça va être trop beau. Je suis trop contente. Je vais les mettre en haut. Bon, pareil, je les ai mis en haut en attendant. J'ai mon calendrier 2021. J'ai trop d'idées, ça y est, j'ai trop envie de mettre des 4 partout. Je suis trop contente. Je veux le mettre absolument dans mes toilettes pour visualiser ça à chaque fois que je chie. Je vous ai jamais montré mes toilettes. Elles sont belles, hein. Elles sont noires. Regardez, ça va bien avec. Très dans le thème. Trop beau, là. Trop beau. J'adore, c'est trop dans les couleurs de mes toilettes. Trop beau. Ah, je suis contente. Au final, j'ai vlogué toute l'après-midi. Je crois qu'il est déjà 19h. J'ai pas du tout fait tout ce que je voulais faire. Et là, comme vous pouvez voir, il fait nuit. Vraiment, donnez-moi vos idées pour mon bureau et tout, si vous avez d'autres idées. Dites-moi si ça vous intéresse que bah je le fasse avec vous. Je suis trop contente. Enfin débarrassée de ce fucking carton. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Bye.